qu'on travaille fait par notre président, le président de notre coalition, Macky Sall, à qui ses pairs avaient donné mandat de confectionner les listes des candidatures. Alors, nous approuvons positivement ce travail que le président Macky Sall a fait. Il a fait un travail scientifique, un travail de réflexion, c'était très difficile. Recevoir 10 listes, chaque liste a au moins 165 titulaires. Les 10 listes feront 1650 titulaires, 1650 candidats, 1650 dossiers. En termes de titulaires seulement, et autant ou presque en suppléant. C'est difficile d'en sortir 165 candidats. Parce que chacun a donné 165. Mais il faut un seul 165 sur notre liste. Donc pour constituer ces 165, on prend un peu partout au niveau des 10 listes. C'est très compliqué. Voilà pourquoi je souligne, j'insiste là-dessus. Ce travail n'a pas été un travail unilatéral de Macky Sall tout court. Ça a été un travail en collaboration avec tous les responsables de coalition. Il a travaillé en collaboration avec tous les responsables de coalition qui l'ont aidé, qui lui donnent des informations pour pouvoir édifier la liste. C'est comme ça qu'il a travaillé et qu'il a édifié sa liste de 165 titulaires. Donc c'est un travail global, c'est un travail qui engage tous les 10 leaders de Benno Bokoyaka. Voilà pourquoi nous, qui sommes avec lui au niveau de Macky 2012, lui,